Euro Truck Simulator 2, quelles sont les marques et les modèles de camions? Alors d'abord, commençons par le beau camion Simpson, comme d'habitude. Et en ce moment, nous avons un temps de merde. Nous transportons du ciment, nous avons la marque Asus, qui Asus fabrique des ordinateurs. Donc voilà, on va y aller. Donc, mais dites pas que c'est... Non, attends, je vais regarder. Et oui, je n'allume pas, c'est normal. Donc voilà. Donc tout d'abord, je vais commencer par... Alors, déjà, faut savoir qu'il y a plein de marques de camions qui existent. Bon, vous allez me dire, ok. Mais déjà, on va commencer par Renault Truck. Faut savoir que Renault Truck appartient à Volvo Truck. Ça veut dire qu'en fait, le propriétaire de chez Renault Truck a vendu son entreprise. Donc les employés se sont dit, non, on va finir au chômage. Mais Volvo Truck, comme vous le voyez, c'est ce camion-là que je vous parle, ben rachetez l'entreprise. Ok, oh, c'est une voiture. Oh, j'ai ce truc. Et je vais... Donc voilà, alors Renault Truck fabrique de la bonne qualité quand même. Faut pas dire que bon. Alors je vais vous citer, chez Renault Truck vous avez trois modèles. Vous avez le Renault Premium, le Renault Magnum et le tout dernier camion qui se vend en ce moment, c'est le Renault Ranch T. Il est génial, mais je vous mens pas. Il est beau. Bon, chacun ses goûts aussi, hein. Merde, je me suis gouré, oh fait chier. Ah, oh, fais chier. Je me suis gouré, putain de merde, je me suis gouré. Oh, c'est bon, je vais tourner à gauche, c'est bon, j'avais fait une connerie, mais non. Je sais quoi faire, je vais tourner à gauche, au moins j'aurais fait le tour du quartier, hein. Alors, attendez. Donc voilà, après vous avez Scania. Alors Scania, bon, c'est autre chose. Vous avez deux modèles aussi, où là vous avez le Scania... R normal, ça veut dire que vous avez un camion tout simple. Bon, et vous avez le Scania. Après, vous avez différentes évolutions. Donc, vous avez le Scania R Highline. Ça veut dire que vous avez le toit d'une R normale à évoluer. Et après, vous avez le Scania R Topline. Alors, ce camion-là, il est génial. On dirait un mannequin, un camion mannequin. Mais non. Donc voilà. Bon, on voit qu'on a vraiment un temps de merde. Alors, après, vous avez le Scania. Vous avez... Mais pourquoi je roule tout doucement? What? Ah, comme... Mais j'ai un problème ou quoi au camion quoi? What the fuck? Vous avez... Le Scania Streamline. Alors ça, c'est une pure merveille. Vous avez deux différences. Première différence, vous avez... Vous avez, en fait, sur le Scania Air Topline, vous avez une forme de petite bosse sur le camion. Et ben là, sur le Scania Streamline, vous ne l'avez pas. Bon, après, il y a aussi des petites évolutions, il y a des trucs qui ont changé, machin, bon. Mais voilà. Puis après, on va parler de Mercedes-Benz Truck. Alors, eux, il y a beaucoup de choses à parier sur eux. Vous avez... Alors, ils ont vendu plus de 600 000 exemplaires du Mercedes-Benz Actros Nouvelle Génération. Alors, il est beau. Bon, je vais pas vous dire... Il est vraiment beau, moi je vous dis vraiment. Vous avez quoi encore? Vous avez plein de camions. Vous avez le Mercedes-Benz Actros nouvelle génération, voilà. Son prix de base est de 120 114 euros. Et donc voilà, il est très beau. Génial à dire. Si vous faites des vidéos sur des camions, bon, vous pouvez avoir des vues. Vous avez le Mercedes-Benz Actros 3e génération, ça veut dire qu'il est en format petit modèle. Vous avez aussi le Arok aussi. Alors le Arok, vous avez Actros Nouvelle Génération et le Actros et le Arok. Vous avez deux différences. Sur Actros Nouvelle Génération, vous avez un truc qui s'appelle... Sur Actros Nouvelle Génération, vous avez des petits points. Si vous remarquez, vous avez des tout petits points. Et bien sur le Actros, vous avez... Je sais plus, qu'est-ce qu'on a en fait sur le Actros? Ah oui, on a ça. Vous avez des petits, sur le Actros, vous avez des petits points, et sur le Arok, vous avez autre chose. C'est comme des remparts de château fort. Et ben, c'est ça. Et ben, c'est ce que vous avez, en fait.
Tout simplement. Après, on a le Mercedes-Benz Arrok, le Mercedes-Benz Axor, oui. Et voilà, ils font vraiment de la très bonne qualité. Là, je ne vous mens pas du tout, du tout, du tout. Bon, vous avez le Volvo, maintenant Volvo Truck. Ou ben voilà, vous avez le Volvo FH16 que je conduis en ce moment. Donc, mais putain, oui, ce putain de moteur à la con. Et vous avez le moteur. Le moteur. Mais je sais que je suis en retard, mais quand même. Putain, je suis en retard. Ouais, c'est à cause de cette putain de livraison. Donc voilà, après vous avez plein de choses, mais plein. Attendez, vous avez quoi encore? Ah oui, alors vous avez Man Truck. Alors Man Truck, on a seul modèle, vous le connaissez tous, c'est le Man TGX. Alors il s'est bien vendu en plus. Il est beau, il est classe. Bon, l'intérieur, je trouve ça trop classique. Vous avez quoi encore? Après vous avez aussi Iveco. Bon, Iveco, bon, vous avez le Iveco Car Wallpaper. Encore d'autres à vous dire. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire aussi? Attendez, qu'est-ce que j'ai encore? Le Renault Magnum. Non, c'est bon, je vous l'ai dit. Ah oui, alors il y a deux nouvelles marques qui se sont mises. Alors vous connaissez tous Volkswagen. Alors Volkswagen s'est mis maintenant à fabriquer des camions. Alors moi, quand je vois leur camion, ça donne envie de vomir. Non, mais je vous mens pas. Si vous aimez. Vous aimez, mais moi j'aime pas du tout, je trouve ça horrible. On dirait un camion blur. On dirait un camion qui vient de sortir de la décharge. Non mais je vous mens pas. Je préfère l'automobile que le camion. Après vous avez aussi Ford qui s'est mis aussi. Bon, Ford je trouve ça un peu plus joli aussi. Ford ça c'est un peu plus design comme on dit. Ce design, oh putain sa mère. Je roule comme un petit cochon. Cochon, cochon. Et voilà, c'est un peu. Comment dire ça? C'est. Comment dire ça? C'est. Je trouve ça plus joli. Voilà. Bon, après, vous avez toujours les mêmes choses, hein. Vous avez plein de marques. C'est gênant, vous pouvez pas savoir. Mais là, je vous mens pas du tout, hein. Ben voilà, je crois que c'était tout. Je crois vous avoir assez parlé de marques. Si j'ai oublié, vous me le dites dans les commentaires. Bon, voilà. Alors maintenant, je vais peut-être mettre. Alors, je vais vous expliquer aussi maintenant les commentaires sur les vidéos. Alors, je vais désactiver les commentaires. Pourquoi? Parce que je commence à en avoir marre. Je commence à en avoir marre des remarques stupides. Nul. Nul. Salut à tous, salut 313. Allons livrer des pneus. Va te faire foutre, Nico Carme. Voilà. J'en ai marre de me taper des remarques. De me dire, voilà, nul. Peut mieux faire. Ok, bon, vous savez ce que je vous dis? Faites une vidéo de Retro Simulator 2 et après on verra. Ok? Voilà. Donc voilà. Voilà, c'était tout. J'espère juste ne pas arriver en retard. Ouh la putain, sa mère. Oh, mais attendez. Ah non. Ah mais oui. Non, 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 j'ai rien dit, j'ai rien dit. Attendez. Je regarde. Merde! Je suis en retard. Oh putain, péché. Oh merde, je suis en retard. Oh, fais chier sa mère, ce truc. Putain, je suis en retard, j'ai perdu mon pognon. Non! Oh putain, je suis en retard. C'est combien? 6 000, putain, j'arrive en retard. Non! Je comprends pas pourquoi je suis arrivé en retard. Oh, fais chier. Ah, okay. J'aime bien mon Homer Simpson. J'aime bien. Mais je préfère la vue intérieure. Allez. Mais je vais en mettre. La prochaine fois, je vais vous parler des jeux vidéo qui ont déjà été sortis. Je trouve que c'est peut-être une bonne idée. Au moins, je ne m'ennuierai plus. Parce qu'on m'a dit. En fait, tu parles plus dans les vidéos et c'est dommage. Alors, je me suis dit, je sais quoi faire maintenant. Voilà. Je vais arriver en retard. Je vais arriver en retard. Putain, Yahoo! Alors la nuit, je sais, on voit pas très bien du tout. Parce que ça, c'est moche, vraiment.
Putain, un camion à la con. Il se revoit quand même bien. Je sais pas comment il est bien vu. Je sais pas. Non. Ouais, non. Non, j'arrive en retard. 24 minutes, putain, j'arriverai jamais. Oh, ça va, ça va. Je suis quand même en retard. J'aurais été en retard de 5-10 minutes, maxi. Donc, direction Amsterdam. Et après, je vais faire des skins. Alors, vous allez voir, je vais faire des skins. Par exemple, le retransmetteur de la famille Simpson, voilà, des petites choses simples. Parce que j'ai remarqué beaucoup que quand je faisais des skins, il me faisait des abonnés. Et ça, c'est génial. Vous pouvez pas savoir, putain. Une heure, mon petit. En plus, je dois dormir, alors. 23h, moi. Putain, oui, je sais, je dois dormir, putain, 23 minutes et. Et je suis en retard! Oh merde, oula, c'est pas grand chose ça. Je prendrai l'essence à la prochaine. Donc on arrive, d'accord. Bon, là je fais nuit donc c'est dommage. Mais bon. Putain, je suis en retard. Je suis en retard. Je suis en retard, putain, merde. En retard. Vous êtes fatigué. Oui, super, mais je suis aussi en retard. Super. T'as une minute de retard, what the fuck. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ah oui, c'est vrai, j'avais laissé un autre. Oh merde. Et voilà. Oh merde, Simpson arrive à... Homer Simpson arrive à Amsterdam. Ah oh non, mais j'ai pas envie de griller de feu rouge. Hein. Merci. Oh, pas grave. Allez. Je m'en fous. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais pas me faire chier à reculer, je vais tout de suite monter. Et maintenant, ça! Donc voilà, je suis en retard, donc de quelques minutes, hein, ça peut arriver. Alors, une récompense de base 244 km, 4795 € en argent, 244 XP, bonus de compétence niveau 10, plus 719 €, bonus de livraison urgente niveau de compétence 6, plus 1258 €, plus 73 XP, pénalité de retard, 12 minutes, plus 338 €, bon, c'est pas grave, hein, moins 15 XP, total 6434 €. Et donc voilà, si ça vous dit, on va quitter. Alors comme vous voyez, mon beau Homer Simpson. Yahoo! Ciao pour une prochaine vidéo.